Eh bien, rebonjour les Kikounets. Je vais vous laisser un peu le temps d'arriver. Parce que j'ai aucun retour, donc je sais pas s'il y a des gens qui regardent le stream. On se retrouve pour la deuxième journée des tests VR sur la PS4. Alors là, je viens de mettre fraîchement le casque et je découvre que... Ah, horreur, j'ai de la buée sur l'œil gauche en particulier. Ce qui promet pas mal si je me mets à transpirer dans le jeu. Langue des voix, français, 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 tout bien. Jouer en mode VR. Je crois qu'on est un petit peu là pour ça. On va tout lire, hein, on est bien d'accord? Oh mon Dieu! Oh là! Appuyez sur croix quand vous êtes prêt. Paramètres Renette. Renette est un service blablabli. Blablablou. Blablabla. Ouais, non, mais on s'en fout, merci. Comme on sait, on verra les options plus tard. Je vais essayer de me débarrasser de ce problème de... Ouh, buée. Parce que là, il y en a vraiment beaucoup. Et le chat se ramène, comme de bien entendu. Car le chat, dès qu'il voit un humain qui se met à parler tout seul, forcément, ça l'intrigue. Facile, normal. Levez les mains. Normal, ok. C'est le chat qui a décidé. Lancez le tutoriel du mode VR. Bah oui, on va faire ça comme les vrais qui débutent, qui mettent les doigts dessus la première fois. Je crois que j'ai mal mis le casque aujourd'hui. Ça me sert un peu derrière le crâne. Oh que c'est joli. Alors, je vais essayer de me débarrasser de ce souci de seconde de buée là, parce que c'est vraiment, vraiment pénible. Alors à ce niveau-là, c'est même plus de la buée, c'est... On se croirait au ski. Alors, j'espère que j'aurai mérité mon vin chaud après. On se remet le truc sur le bulbe. Ah, beaucoup mieux. On y retourne, recommencer. Oui, madame. Et maintenez option. Ce qui est pratique, c'est que je ne vois pas option. Oui. Enregistrer votre position actuelle. Oui, non, mais ça, oui, ça, je sais. Donc, c'est pour le recalibrage en live. Car des fois, ça part un peu en sucette. Des empreintes rouges se trouvent en bas, à droite, gauche, là. O, A, I, E. Il n'y a pas derrière? Non. Bonjour. Utilisez la manette sans fil. Alors, je vais avouer quand même qu'aujourd'hui, je ne suis pas en forme pour des déplacements un peu trop abrupts. Parce que je viens de fraîchement manger de la malbouffe. Et ce serait quand même de dommage de répandre ça sur ce sol qui est si bien défini avec son petit bump mapping sexy. Oui, c'est ça. Et une blanche autour de vous permettront d'appréhender. De 30 degrés. Ah ouais, c'est pas à coup, dis donc. Alors, vous compensez avec R, il faut que je m'amuse et que je m'entraîne quand même à compenser avec la chaise. Parce que ça, c'est ce qui rattrape tous les effets nocifs de la VR. Ça a l'air de fonctionner pas mal. Oui, le chat, je ne te vois pas. Mais tu es à peu près positionné ici, d'après le son. Ok. Déplacez-vous vers trois objectifs autour de vous. Bah, allons-y, allons-y. Ça va pas être pratique de courir, j'imagine, avec ce mode de déplacement. Et j'imagine que s'il faut aller chercher la clé qui était au début du niveau parce qu'il y a une porte verrouillée au bout, parce qu'on est quand même dans Resident Evil, faut pas déconner.
Ça va moyen m'amuser. Bon, ceci dit, sur le rendu, c'est carrément plus qu'acceptable. Ok. Mais vu que je suis un gros gourmand, on va y aller. Ah, j'ai re de la buée. C'est pénible. Alors là, normalement, je suis tout à fait centré avec l'écran de la télé derrière. Mais Salut, je ne suis chérie. pas au jeu. Je voulais juste te faire un petit coucou et te dire que je t'aime. Oh, bonne nouvelle. Je vais bientôt rentrer à la maison. Oui. J'ai hâte de rentrer, de finir ce travail de babysitting et de retrouver mon mari adoré. Tu me manques. Oh, faut que je retourne travailler. J'enlève la buée, vous affolez pas. Tu me manques tellement. Je t'embrasse très très fort. À très vite. Exactement tout le contraire. Je ne peux pas boire avec le casque non plus. Ça, c'est dommage. Allô? Salut, c'est Ethan. Hey, ça va? T'es parti comme un voleur l'autre soir. Alors, un truc ouais. que vous voyez pas forcément, ouais, je sais, ça va. Mais ça moi, va. J'ai l'écran qui est projeté bien. Comme sur un écran de cinéma qui ferait une bonne vingtaine de mètres. Elle est de retour. On l'a retrouvé. C'est assez marrant. Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien. Écoute. Je sais pas comment, mais elle est revenue d'une façon ou d'une autre. C'est peut-être des conneries, mais elle veut que je vienne la chercher. En profiter pour boire un coup. Delvie. Delvie en Louisiane. Mec, ça fait 3 ans. Je sais, mais si c'était bien elle, je vais en avoir le cœur net. Bon, au conduire, faut choisir. Hop là. C'est vrai que c'est quand même très joli, quoi. Même si la définition est pas faramineuse, c'est propre dans la saleté. Allez-y. Les déplacements sont pas désagréables. Moi, je m'attendais à... Parce que j'ai essayé une autre démo. Alors, j'ai perdu le nom. C'est un truc gratuit où il y a pas mal de petites choses avec des petits robots. C'est tout mignon. Lui, sur le phénomène d'avancée, est très désagréable parce que c'est assez abrupt. Et du coup, à chaque fois, ça, le démarrage de l'action donne un petit low le cœur qui est complètement inexistant sur ce Resident Evil. C'est vachement bien. Et oui, tu ne peux pas te voir dans l'eau. Pas rêver non plus, garçon. Mon Dieu, un manoir dans lequel il ne faut pas aller. Voir l'objectif. Ok, j'ai une cartoon. Avec les axes inversés, ce qui n'est pas forcément gégène, mais bon, c'est pas grave. Donc, là, c'est où on rentre. Et là, c'est où il doit y avoir un bonus, ou alors la clé. On s'auto-spoil. Udada. Donc, en fait, on est bien d'accord que le problème de la VR, c'est les mouvements latéraux. Quoi. Quand on bascule l'horizon, ils ont complètement éradiqué ça. On ne peut pas lever la tête, apparemment. Enfin, si, comme ça, avec le casque, mais pas avec la manette, pour pas être trop perturbé. Allons voir comme c'est joli. On remarquera que je cours à vive allure, au ralenti, ce qui s'appelle marcher communément.
Bah non, je vais pas rentrer, le jeu est fini. Au revoir. Non, je vais aller là-bas, moi. Ouh là là, ça y est, je strafe comme un crabe. Oh, Is, vas-y, pépère. Tu pourrais avoir la gentillesse de courir. Oui! Enfin, si je courais comme ça dans la vraie vie, je pense que j'aurais pas mal de problèmes. Surtout en cas de besoin de fuir. Là, il doit y avoir quelque chose. Mais d'accord. Non. On le prend pas, il n'y a pas d'inventaire, on s'en fout. Ok, je peux pas monter là-dedans. Donc il y a des gens qui sont venus pour filmer quelque chose, d'après ce trépied. Qu'est-ce que c'est ce câble? Je ne le saurais pas tout de suite, mais je pense que ça va bien servir plus tard. Parce que qui dit eau, câble, électricité, hein? Vous me suivez? De toute façon, vous n'avez pas le choix, vous me suivez. Accepte son don. Je pense que là, c'est l'endroit où les campeurs viennent faire leurs besoins. Ce qui explique les mouches d'ailleurs. Monsieur, monsieur, s'il vous plaît. Alors sur le fond, c'est très 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 flou. Je sais pas si sur la vidéo c'est pareil, parce qu'ils ont quand même trouvé l'astuce pour les streams de faire la version recalculée pour l'affichage écran normal. Ce qui fait qu'en toute logique, vous devez avoir quelque chose de beaucoup plus joli que ce que j'ai point de vue de définition. Ah, puis le petit halo noir qui se resserre pour faire un peu de flou autour. Ça doit être encore pour les gens qui sont sensibles justement à ces problèmes d'oreille interne. C'est très joli en tout cas. Même si je suis pas très d'accord avec le fait de tourner comme ça par à-coups, c'est pas terrible, terrible. Bah c'est fou ce qu'on peut faire avec des morceaux de chevaux de nos jours quand même. Il doit y avoir des hippies pas loin, il y a de la fumée de choses non autorisées. Bon, je pense que je vais m'auto-spoiler en disant que la porte d'entrée elle était pas ouvrable. J'ai bien fait de passer directement par ici. Sauf erreur de ma part. On peut y aller. Oui, je sais. Qu'est-ce que ce serait hein? Alors, les commandes, c'est pas très explicite. Je peux rien faire de ça?
La gestion physique est époustouflante. Scully, je crois que nous sommes en pleine dixième dimension. Allez-y. Moi, j'aurais mis quelque chose de planqué là pour faire peur. Mais bon, c'est personnel. Et je pense que j'aurai tout le temps de faire des bons tout à l'heure. D'ici pas très longtemps. Car là, il fait bien trop jour pour que ce soit... Voyons... En fait, si on nettoie un peu, c'est sympa ici, hein? Non? Bon. Je crois qu'on va rentrer dans le périmètre un peu moins dit sympa. Du bref vitre, ça sera toujours utile, non? Fait nuit chez vous, les gars. Non, ce sera pas utile. Ouais, je vois mes petits bras qui dépassent un peu. Moi, quand il fait noir, je rentre pas en général. Hein. Voilà. Plus de piles bientôt. Ouais, je pense qu'il doit y avoir une histoire de gestion de piles, sinon ça serait pas drôle. Alors. Fermé. Moi, je ferme pas, comme ça je peux me barrer plus rapidement. Oui, je sais, je suis un poil parano. Donc, je vais avancer très doucement. Donc, on est dans Resident Evil. Il va me falloir un chien qui sorte d'un mur, par exemple. Ça serait bien. Il me faudra aussi bientôt un truc qui saute du plafond. Ça serait pas mal. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Coucou. Ah d'accord, ok, il me faut une clef. Nous sommes bien d'accord, il me faut une clef. Oh, quel gâchis, des protéines. Ça ressemble vaguement à la malbouffe que je viens de me taper, hein, à part qu'elle était entre deux tranches de pain. Ah, pour ceux qui suivent sur Twitter, donc on ne confond pas le collègue Newler et Fuyard de Batman avec Robinet. Bien. Je crois que j'ai fini le jeu, je viens de fermer un robinet. Et trop cuit ce piaf. Ah, j'ai le chat qui s'amuse à me faire des trucs en plus autour. Je pense que le premier bond que je vais faire, ça va être un moment où il y aura absolument rien. Et que le chat va sauter sur mes genoux ou un truc dans le genre, c'est fort probable. Bon, je vais pas manger tout de suite en fait. Oh, et même des aztèques. Donne pas très faim. Bon, je dois avoir un problème de circulation au niveau du crâne, j'ai déjà chaud moi. Ou alors, comme dirait le petit dans South Park, trop de pression. Si vous arrivez à savoir ce que c'est, vous me dites. J'en ai aucune idée. Ah, qu'est-ce que c'est que ce truc là-haut ? On va se le garder de côté. Ça y est, j'ai fait un bond.
Alors pour le détail du son, je pense qu'au casque, ce truc doit être très très impressionnant. Là, je joue, j'ai un bon système assez immersif. Mais je pense que c'est bien suffisant pour cette petite démo. Bon, pas trop le choix, va falloir monter à l'étage. C'est de toute beauté. Alors, c'est quoi cette espèce de capteur? C'est juste un inter? Oui, je me méfie un peu de tout. Alors, un câble qui se balade. Bon, on va pas trop chercher les câbles, ça a l'air d'être vraiment n'importe quoi. Bah non, parce que le fil, regarde, il est là. Donc, magnétophone, sauvegarde. Resident Evil, pur et dur. Ceci dit, je ne les ai pas fait, les Resident Evil. Désolé pour les fans. Parce que moi, les jeux où on triple artificiellement la durée de vie en te faisant aller d'un côté du tableau pour aller chercher la clé de l'autre côté, tu me le fais une fois dans le jeu. À la deuxième, en général, ça signifie un désinstall. Bon, je suis prêt pour mon premier scare jump. Alors, cette histoire de câble, j'ai le câble sous le nez, mais je peux pas en faire grand-chose. Ce qui est bien dommage. Ça se trouve, c'est une annexe de la maison principale que je dois explorer. Et je suis pas supposé m'attarder ici pour l'instant. J'évite de parler, comme ça le silence bien pesant vous fait un petit peu partager la pression. C'est beaucoup plus agréable, je me sens moins seul. Bah oui, mais s'il bouffe que des trucs comme ça, forcément. C'est ballot, comme on dit. Merde. Donc je ne sais pas qui est le petit malin qui a trouvé judicieux de m'enfermer. Mais je pense que je le découvrirai bien assez tôt. Ok, cette vidéo, je peux pas m'en servir. Faut trouver un scope. Et dans ce bordel, ça va pas être simple. Je suis pas tout seul, hein. Parce que j'entends des bruits, c'est pas mes pas. Ou alors il y a un décalage.
Alors, est-ce que j'aurais oublié de regarder quelque chose pour trouver soit une clé, soit le kit du parfait électricien, ou tout simplement ouvrir une porte. Celle-là ne me plaît pas. Celle-là mieux, mais elle est fermée. Donc celle qui me plaît pas. Va falloir jeter un œil. Donc on a de l'électricité, mais bien entendu, aucune lampe ne fonctionne, sinon il n'y aurait aucun fun. Il n'y a même pas un interrupteur sur le mur. Ça se ferme pas. Ok. Ben voilà, mon petit problème d'électricité. Stairs, c'est le troisième. Donc on va prendre celui du premier. Que faut que je trouve le fusible. Je peux pas tout simplement en prendre un et le déplacer. Je suis une déception totale. Mal foutu le truc de l'interface qui s'est encastré dessous là. C'est gênant. Je vous ferai un petit Richard Lederman tout à l'heure si je suis en forme. Bon, parlons de magnétoscope. Il y a le chat autour qui est en train de tourner, qui fait des bruits en plus du bruit du jeu. C'est stressant. Bouh! Où t'as trouvé ce type? Lâche-moi un peu, puis. Hey, je bosse qu'avec des professionnels. D'ailleurs, arrange-toi pour que le son soit correct cette fois-ci. Je veux pas un remake d'Amarillo. Mec, c'était il y a 2 ans. Je me tape pas le doublage. Le nouveau, là, je le sens pas. Encore? Alors sois pas étonné si on doit le virer. Nouveau plan. D'abord, on fait un tour à l'intérieur. Et ensuite, on tourne l'intro. Comme d'habitude, quoi. Et n'oublie pas de dire le nom de l'émission cette fois, hein. T'inquiète. Ce soir, dans Sewer Gators, un autre trou paumé sans intérêt. Ça te va? Fantastique. Est-ce qu'on tourne? Ok, on y va. Laisse-moi faire. C'est bloqué. Après toi. Alors, c'est quoi l'histoire aujourd'hui? Tu te prépares jamais. Préparer quoi? Une baraque pourrie, des bruits étranges? Oh, elle est hantée? Quelle merde! J'étais présentateur, moi! Remplaçant le week-end, Pete. Seulement remplaçant. Qu'est-ce que t'as dit? Rien. C'est quoi l'histoire, André? Une ferme abandonnée, une famille disparue dans des circonstances suspectes. La routine. Tu dis que ça fait combien de temps que la maison est abandonnée? 3 ans. Hé, hey Clancy, filme un peu ça. Ça peut faire un bon plan de coupe. Donc... une famille de pecnos disparaît. Pas des pecnos, les Baker. Jack et Marguerite Baker. Une famille normale, plutôt paisible. Il y a pas mal de rumeurs sur leur fils, Lucas. Lui a mal tourné, apparemment.
shooter de déjà-vu serait purement coïncidence. Oh putain. Heureusement que j'ai fait mes vaccins. Mais bon, ça pourra nous faire un super décor. André, qu'est-ce que t'en dis? André? 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 Clancy, tu sais où est passé André? Il est où? Putain, j'y crois pas. Mais c'est une blague. C'est la dernière fois que je bosse avec ce mec. Tu sais, les producteurs, ça va, ça vient, mais... Un bon caméraman comme toi, Clancy... Reste près de moi. C'était quoi, ce truc? T'as entendu? Non, non. Zut. André? Il est où, putain? André, t'es passé où? Ding, ding, ding. Tiens, ils avaient pas de scope à l'époque. C'est quoi ce bordel? C'est pas possible, je rêve. Ok, changement de programme. On trouve André et on se tire. Tant pis pour l'émission. Bon, je pense qu'il va y avoir pas mal de boulot pour mémoriser toute la baraque. En train de descendre l'échelle. Donc, passe devant. Est-ce qu'il est l'heure? Vous remarquerez, je suis passé devant, mais j'ai pas dit oui. Bah, il y a des dés. Mais Dédé, il a l'air tout con, là. Dédé? Je crois que Dédé, il marche plus. Alors, ce système des flashbacks avec les cassettes, c'est pas mal foutu du tout. Oh mon Dieu! Il se fait quelle heure là? 2 secondes, je reviens dans la vraie vie. Trois heures. Mais Kiki, je vais essayer de rusher pour qu'on se fasse un vrai sursaut là. Et puis, je vais vite arrêter parce que j'ai d'autres choses à faire. C'est ça le problème de la vraie vie, c'est qu'on peut jamais la mettre en pause. C'était où le 3U? C'était par là. Ah oui, non, c'était là. Il fallait chercher dans la cheminée. Crac. Au poil. Ce type de jeu est vraiment fait pour la VR. C'est... Ça change complètement de cette espèce d'abruti qui ne savait pas marcher en tirant. Forcément.
Alors le défaut, si on joue pas au casque, c'est que ses pas sont pas matérialisés vraiment proches de soi, quoi. On n'arrive pas à distinguer si c'est mes pas qui font du bruit. Ou si ça peut être le bruit de quelqu'un d'autre qui aurait la charmante idée de venir me faire coucou. Je crois qu'on va nager dans le caca. Bien ça. Et en plus elle est fraîche. Non, je veux pas mettre la tête dessous. Une grande longueur comme ça, il y a forcément quelque chose, on est bien d'accord? C'est fait exprès. Je vais même pas m'arrêter pour regarder. Je pense que ce monsieur est bien fatigué à cette heure-là. Et pour le dos crôlé, par contre, il est très bon. Ça s'ouvre pas. C'est vraiment super crade, c'est bien. Bon, bah au moins je saurais où sont les toilettes. Des clés, va en falloir un paquet, je pense. Terrible, terrible quand même, les gars. Bah, c'était plus simple. Snip, snip, snip. Ça sera beaucoup plus simple que des clés. On est bien d'accord. Dieu merci, tu es vivante. C'est moi, c'est Ethan. Ethan? Ethan? Est-ce que ça va? Tu ne devrais pas être là. Comment ça? C'est toi qui m'as appelé. Non, non, je te le jure. Je l'ai fait. Quelqu'un t'a vu? Est-ce qu'il t'a vu? Il? Qui d'autre est ici? Mais qu'est-ce qui se passe? Papa va venir. Il faut qu'on parte. Papa? Il faut partir maintenant! Où est-ce que tu m'emmènes? Quelque part en lieu sûr. Est-ce que tu vas me dire ce qui se passe? Chérie, t'as disparu depuis 3 ans. 3 ans? Ça fait déjà 3 ans. Vas-y chérie, ouvre la voie, je te couvre. Cet endroit? Qu'est-ce qui
qu'a-t-on fait ? Pas maintenant. On doit d'abord sortir d'ici. Je crois que c'est par là. Mia, il faut qu'on parle. Ce message que t'as envoyé. Pas moi. C'était pas moi. Mais tu l'as fait. C'était pas moi. Ok, d'accord. Mais dis-moi ce qui se passe. Je te promets que je te dis tout ce que je sais. On doit passer par là. Y'a rien qui se ramasse. Mia. Tu es sûre de savoir où tu vas ? La famille m'apportait de la nourriture par ici. Je suis trop gros, je passe pas. Ça, c'est très réaliste. Je suis trop gros pour passer. On doit sortir d'ici. Reste ici, d'accord ? Je vais jeter un œil. Mia, tu as une main sans humain sur ton épaule. C'est horrible. Il y a une porte ? Bah, elle est sacrément dissimulée maintenant. Le truc qui queen n'est pas inclus dans le jeu, c'est ma chaise de bureau. Pour ceux qui se demanderaient. Ah, la fameuse poupée qui va toujours de pair avec les psychopathes de tous les films d'horreur. Mia ? A pu, Mia ! Bisous, crack ! Bon, moi j'en étais à ça.
Y'a rien du tout ici. Un petit poil de plomb. Alors. Donc tout à droite, c'était la piole avec les poupées et tout ça. Moi, je vais revenir là-bas, on va dire. Ouais. On va faire ça. Je sais pas combien de temps ça fait que j'ai commencé le stream là. Parce que ça commence à me fatiguer un peu la tête là. J'aime bien ces petits détails où on fait « Oh, il y avait un truc !» En fait, non, c'est le reflet de l'eau. Vous savez ce qu'on va faire, les kikis? On se fait une vraie démo ce week-end, dimanche, probablement. Parce que là, j'ai vraiment pas le temps. Et ça va pouvoir être sympa. Très, très satisfaisant, ce début. Ce premier lancement, pour voir la tête que ça a. Ce soir, on se retrouve, ce sera avec Eve Valkyrie, où je vais essayer de faire Papy Boington dans l'espace, sans vomir, ce qui est absolument pas garanti. Je pense que ce soir, ça sera surtout un test pour savoir combien de temps on peut tenir à jouer à Eve Valkyrie en VR, avant de vraiment pas être bien. Donc ça dépend énormément des gens, j'imagine. Moi, j'ai remarqué déjà hier, sur le petit lancement, pour voir la tête que ça avait, que dès qu'on fait basculer l'horizon, c'est-à-dire que... on tombe de côté, l'oreille interne est vraiment pas contente, quoi, elle aime pas. Pour le reste, c'est pas mal. Faut voir aussi à ce que je maîtrise les commandes. Donc, on dure pas plus longtemps. Ce soir, vers 20h, je pense, ce sera. On se fait un petit F-Valkyrie, et puis demain, on revient pour des vrais gros scare jump. Parce que pour l'instant, c'est que de la tension, c'est la mise en place. Bon après-midi, les gars.